Bonjour tout le monde. Et ben nous voici de retour pour la vidéo numéro 7 de renforcement musculaire du programme Au Top pour l'été. Vous l'attendiez, hein, la suite des exercices. Avant de commencer la vidéo, je vous enchaîne le petit power matin. Alors, aujourd'hui le défi mental, c'est de ne pas faire de suppositions. Le défi alimentaire, ça va être de manger du poisson. Et l'exercice physique, ça sera des étirements et c'est s'allonger au sol, le dos bien à plat, les fesses collées contre un mur et écarter les jambes. Voilà, et tenir une minute avec les jambes qui tombent de chaque côté. Si vous avez des poids lestés, je vous conseille de les porter aux pieds. Et voilà. Alors aujourd'hui, je vous emmène à l'île aux oiseaux pour cette petite vidéo. Il fait très très beau, très chaud, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que vous aurez du bon son sur cette vidéo. Alors, le petit défi mental qui est d'arrêter les suppositions. On va passer un bon week-end, l'idée c'est de ne pas polluer son esprit. Alors pour éviter de polluer son esprit, comment faire? Alors déjà, premièrement, on arrête les suppositions. Ça veut dire qu'on se libère de pensées qui ne sont pas les nôtres. Ah oui! Un peu de repos et je vous jure, ça va vous reposer d'arrêter d'imaginer ce que les autres peuvent penser dans leur tête. On s'en fout, ils sont tout seuls dans leur tête, mais on les laisse. Et puis, on n'a pas le temps. Occupez-vous de vos pensées à vous et vous verrez que vraiment c'est reposant d'arrêter de faire des suppositions. Bien, ensuite... le défi alimentaire, donc c'était manger du poisson. Allez-y, je vous conseille hein, de varier l'alimentation. Là, pendant les 3 prochains jours, mangez du poisson tous les jours. Non, ben si. Vous êtes capable de manger de la viande tous les jours, mais je vous jure que vous êtes capable de manger du poisson aussi tous les jours. En tartare, en carpaccio, en pané, en curry, en sauce, en ce que vous voulez, en grillé. Allez-y, mangez du poisson. Ah, et maintenant, pour la suite des exercices du renforcement musculaire au top pour l'été, notre vidéo numéro 7. Je vous ai mis la description au-dessus de la vidéo. Donc, il va falloir faire, attention, 300 squats, 300 abdos, 100 pompes, 2 minutes de gainage, les pieds surélevés si vous pouvez, parce que vous l'avez déjà fait la semaine dernière, cette semaine, donc je pense que vous allez encore réussir, hein, il n'y a pas de souci, on va devenir forte comme ça du centre du corps, ça va être top. Et 20 minutes de cardio, donc trouvez le temps entre aujourd'hui et mardi minuit de faire 20 minutes de cardio, même si c'est scindé et coupé en petits bouts, donc ça peut être 5 minutes aujourd'hui, 7 minutes demain, enfin bref, ou 20 minutes d'un coup. Comme c'est le week-end, je pense que vous pouvez peut-être essayer de trouver ne serait-ce qu'une petite balade à faire à l'extérieur, ou trottiner, ou faire un petit tour en forêt, enfin bref, trouver le temps de transpirer. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller transpirer dehors, les burpees ça marche bien pour faire monter le cardio. Si vous faites 20 minutes de burpees, à mon avis le cardio il monte au taquet. Coucou Miss Sylvina, coucou Sylvina, regarde, on est à l'île aux oiseaux, j'ai posé mon petit parasol là-bas pour aller bronzer tout à l'heure. Bisous Sylvina. Donc voilà, alors les petites, je reprends ma petite vidéo, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, bah voilà, les 20 minutes de cardio, les 100 squats, les 300 squats pardon, et les 300 squats vous pouvez les faire. Les jambes serrées, les jambes écartées. Et vous pouvez enchaîner des grands mouvements ou aussi des petits en bas, ça compte. Vous pouvez faire par exemple 10 grands, 10 petits, 10 grands, 10 petits. Voilà, vous en faites, je sais pas moi, 30, 40, 50 aujourd'hui, encore demain et ainsi de suite. Mais mardi minuit, vous devez en avoir fait 300. Ok, on est bon? Et pareil pour les abdos, vous les faites au choix. Je vous propose quand même de continuer cet exercice, vous savez, où on se tournait comme ça sur le côté, avec les poids lestés qu'on prenait et qu'on déposait d'un côté à l'autre. Ça, c'est très très bon pour la taille, ça va vous affiner la taille. Donc, toute cette partie qui concerne le nombril. Et quand on tourne, pensez bien à rentrer le nombril
et sentir que ça vrille vraiment à partir du nombril. Alors moi, le mien, il est plein d'argile parce que j'ai commencé à faire un petit peu, de jouer un peu à ça avec les enfants. Mais voilà, donc l'idée, c'est de bien tourner, clac, au niveau du nombril et de l'autre, affiner la taille. On est bon, les pompes, même si vous êtes nul en pompe, vous pouvez quand même les faire. Vous posez les mains sur un mur. Donc vous êtes debout, vous posez les mains au mur, vous décalez un petit peu les pieds de façon à avoir un appui sur vos mains et vous descendez et vous remontez comme ça. Enfin, du coup, vous penchez vers le mur et vous repoussez le mur tout simplement et vous en faites une centaine, encore une fois, jusqu'à mardi minuit. Donc vous avez largement le temps et la capacité de le faire. Vraiment, tout le monde peut y arriver. Pompe sur le mur si c'est vraiment trop dur ou alors au sol, les genoux au sol ou les jambes tendues selon votre force physique. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Pour le gainage, les pieds surélevés, donc en hauteur, sur une chaise, sur un banc, sur un canapé, peu importe. Et voilà. Ah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end, de passer une belle journée remplie d'amour et d'amitié. Ouh, sur ce beau soleil perdu dans un endroit en France, en plein milieu du bassin d'Arcachon. Je suis extrêmement chanceuse et je suis pleine de gratitude envers la vie pour ce beau moment qu'elle m'offre. Et j'espère que vous aussi vous passerez une belle journée. Je vous embrasse et à très très bientôt dans vos petits commentaires. Ciao ciao tout le monde.